Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Madame Déliès pour vos mots que vous nous avez adressés. Merci à vous pour l'accueil que vous nous avez réservé. Bonjour à toutes et à tous. On ne vous voit pas trop, mais on vous a vu un petit peu partout. Bienvenue chez vous. Merci. Le congrès commence officiellement ce soir, mais il a commencé hier, il a commencé lundi pour la caravane de Far West qui est partie. On a une petite pensée parce qu'il y a des gens qui sont coincés encore dans le train, donc voilà. Vous avez relevé ce défi, merci, bravo et surtout bienvenue. Vous avez pris votre sac, votre foulard, seul ou à plusieurs, vous avez fait le choix de venir ici ensemble parce que vous avez fait le choix de vous engager dans cette association à un moment ou à un autre, de rejoindre ce mouvement. Et chaque individu que vous avez trouvé du sens dans ce projet du scoutisme des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, que ce soit le jeu, l'éducation, la rencontre, l'engagement, l'humain, l'enfant, l'avenir, la paix, la joie, la fête, bref. Chacun et chacune est animé par quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous portez ce foulard autour du cou et vous portez ce projet. Et quand on se réunit, chacun d'entre vous, regardez un petit peu autour de vous, quand on se réunit, regardez ce que ça fait. Ben chacun en vient avec ce qu'on a, avec son engagement, ses valeurs, ses rêves, et on va les partager tous ensemble. Qu'importe d'où l'on vient, où l'on va, on se retrouve chez l'autre qui fait du scoutisme. Nous sommes engagés. On s'implique seul dans ce projet, on s'implique soi-même, personnellement, pour le faire vivre, pour le vivre. Mais c'est tous ensemble que nous le portons, que nous nous engageons pour construire un monde meilleur. Alors, même s'il nous semble que c'est une goutte d'eau dans un océan, chacune de nos actions, chacun de nos projets, chacun de nos engagements compte. Ils ont un impact. Nous sommes toutes et tous ensemble acteurs et actrices du monde de demain. Et surtout, faire vivre et construire ceux de demain. Et puisque c'est ensemble qu'on va plus loin, on a monté ce projet avec plus de 80 bénévoles, avec une équipe salariée qui nous a aidés aussi. Ces 80 bénévoles, ils ont réfléchi, ils ont construit, ils ont inventé, et ils se sont engagés pour vous, et finalement pour nous tous, pour l'association. Et je pense qu'on peut les applaudir hyper fort.